sont des plumes. Oh, ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet là. Abraki, abraco, abracayaka. Wow, t'es un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Zibouille, zibouille, gloubi, houba, houba. Pétalouma, liquidi, liquidi. Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! 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 Je vais vous faire disparaître mon pouce. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là. Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez. Hey, si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on se calme. On prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Eh, bonjour, dis qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin. Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde. Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les altères en boudruche, c'est navrant. Suivant! C'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais. Faites pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Garcimore. Où ça? Mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin prêt pour le transfert.
Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki, ta fille, Golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukili, Bukila, et voilà! Ziggy Zaggy, Géronimo, Wagadoudou, on met les bouts. 1, 2, 3! Mango Tango, pompe à vélo et abracadabouette dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes, il va nous le donner, le manuel. Hé hey, non, mais je rêve. Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent. Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous le libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir. Il me possède. Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron. Et Shazam! Eh ben, tu sors, mon lapin. C'est peut-être un lapin dur d'oreille. C'est affreux. C'est un drame. Mes pouvoirs magiques se sont envolés. Oh! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses, c'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui. Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Si. Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux, c'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte, oui, une boîte verte. C'est bon, les lapins, pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte. Mais oui, mais alors, elle est où, la femme? Mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Lapin, tu sors du chapeau? Ta-da! Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. En plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche
Bouge-toi. Moi, j'y crois pas. Ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête. T'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors, s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré. Pourquoi je saute, moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! Faire votre barbecue dehors. T'es pas bien de jouer avec notre dîner? Rends-moi mon kebab de hamster sauvage. Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui vient de découvrir la 11737e façon de maculer mon parquet de tâches de je ne sais quel débris nucléaire. C'est trop, ça suffit, j'abandonne. Vous venez d'assister à l'explosion de la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase. Veuillez donc noter cette information. Jamais nous ne rentrerons à la maison. C'est là! En clignotant et attention à la pelouse! Les gars, je crois que voilà nos nouveaux locataires. Norman, t'ouvre cette porte! Allez, t'es vraiment aussi bon à son que ton père, ma pauvre bambino. Cette maison est à l'abandon. Tu vas me faire le plaisir de tondre la pelouse, de tailler les haies et un bon coup de peinture serait pas de trop. Et ça, c'est de rêvasser sur les bandits, pour s'il te plaît. Apporte-moi mes bagages. Oui, maman. Une fois que tu auras rangé mes affaires dans ma chambre, tu nettoieras à fond les bidets et les sièges des cabinets. Oui, maman, le siège des cabinets. J'y vais tout de suite, maman. Oh, pauvre garçon, si c'est pas triste de voir ça! Je peux changer de chaîne? Ça va être l'heure des dessins animés. Voyons voir où est-ce que j'en étais resté. Ok, au boulot. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À mon avis, il mesure pour voir si le cadavre de sa mère va rentrer dans le coffre. Hé, je voudrais changer de chaîne, moi. Excusez-moi, mais je trouve ça plus intéressant que n'importe quel programme. Ça rapporte plus vite que ça. Et ferme la rideau, il y a des reflets sur mon feuilleton. Ce sera tout, maman. Norman! Oui, maman. J'ai froid à mon gros orteil. Remets ma pantoufle dans la place. Norman! Apporte-moi un oreiller, rase-moi sous les bras, sirène les pantoufles, plus l'âme serve à chauffer mon lit et masse-moi les joues. Courage, Norman. C'est bientôt la dernière ligne droite. Tu as encore 2-3 réglages à faire et après à toi la liberté. Bientôt, je serai très loin d'ici.
dans un lieu où régneront la paix et l'harmonie. Sur une autre planète. Norman, viens ici. Vous avez entendu, ce type trafique sa voiture en fusée. Hit-nous, le petit humain est en train de construire un vaisseau spatial. Trop cool. Bon, on fait quoi? Nous allons regarder d'un peu plus près ce que le jeune Norman nous a bricolé. Plus de silence. Oh, ça va, j'ai rien fait, moi. Norman! Plus de chips, oh. Les gars, eh, vous êtes plus là? Où vous êtes? Waouh, je rêve un moteur de fusée et qui n'a pas été construit par Hit-No. Il y a une chance pour qu'il explose pas. Yeah! Oh, quelqu'un, où on se cache? Ok, test à très haute température. C'est une impression où il y aurait comme une vague odeur de fusion nucléaire. Norman! Oui, maman, j'arrive, maman. Eh oh, les copains, eh, vous êtes où? Et nous, on est dans le coffre. C'est vous qui avez fini les chips? C'est où, oui? Et nous avons trouvé un vrai moteur pour la fusée. Non, oh, félicitations. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur les chips. Vous avez bientôt fini de squatter ma télé. Chut, plus bas, Norman est en train de mettre la touche finale au turbopropulseur. Norman! Ce sera jamais fini cette satanée fusée si sa mère l'interrompt tout le temps. On doit lui venir en aide. Ah oui, tu vas t'y prendre comment? On va s'occuper de la momo du petit chouchou. Ouais, on va l'expédier sur la lune à coups de batte de baseball. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je trouve ce plan d'une stupidité absolue. Fais-moi confiance, ça va marcher. Norman? Maman, ta soupe n'est pas assez chaude. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu veux que j'y donne encore tes soutiens-gorge? Je suis descendu voir à quoi tu joues. Ça m'a pas l'air trop mal ficelé, à un ou deux petits détails près. Si tu relis le fissionneur de deutérium directement à la soupape, tu pourras augmenter la puissance en utilisant la boîte à gants comme chambre de combustion annexe. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la mécanique post-atomique, man. Mais tu ne m'as jamais posé la question. Tu sais, on n'arrive pas à mon âge sans connaître deux, trois bricoles sur les atomes. Oui, maman chérie. Ah, il a plus de 8 heures. J'espère que tu as fini de faire la vaisselle, au moins. C'est la dernière assiette que j'y suis. On se m'allait pas trop mal, Norman. J'ai bientôt fini de cirer le miroir et après, je m'attaque au parquet, maman. Pendant une petite seconde, et ça brillera comme un sou neuf, maman. What?
glacée à l'ananas et son fouillis de jeunes herbes folles. Je te sers le thé avec maman. Comme tu l'aimes, maman, bien chaud. On fait des progrès, Norman. Il y a encore de l'espoir. Où sont passés Chips? Tu as des soucis, ma petite maman. Vas-y, dis-moi, hésite pas. Je peux t'aider, maman. Oh, je croyais que tu t'occupais de la voiture, Norman. On est entre nous. Ce qui veut dire que si nous on est là, alors eux, eh ben où est-ce qu'ils sont passés? Tu sais, maman, tout ce que j'ai fait de bien sur cette terre, ben c'est à toi que je le dois. Mais toi, Norman, je te le montre peut-être parfois maladroitement, mais sache, mon fils, que tu remplis mon cœur de fierté. Maman! Tu es le plus gentil bambino dont une maman elle puisse rêver. Je t'aime beaucoup, ma petite maman. Et moi, je t'aime, mon ormi. N'est-ce pas adorable, hein? La fusée est prête. Venez, on décolle. À présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Sigma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. La bonne idée de se cacher sous la voiture. Cette fois, ça y est, ma nouvelle fusée est aussi prête que fiable. Préparez vos valises, mes amis, nous allons enfin quitter cette planète. Bien sûr, ouais, aussi prête que fiable. Je vous assure que cette fusée est parfaitement opérationnelle. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et à appuyer sur ce bouton. Vous pouvez me passer les chips. Ah, oh, ce qu'on est bien sous la voûte étoilée d'une nuit d'été paisible et douce. Et là, oh là là, regardez la constellation du fer à repasser. Oh! Et moi, je vois la constellation du télévision. Et là-bas, c'est la constellation du hot dog. Oh, 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 qu'elle était belle. Si vous faites vite un vœu, il se réalisera. Toi, vas-y, dis-nous le tien. Ah, un vœu, ça se garde pour soi. Si je disais que mon vœu, c'est de rentrer à la maison, il se réaliserait jamais. Est-ce que c'est plus sûr qu'il se réalise si l'étoile nous tombe dessus? Intéressant. Ça m'a tout l'air d'une météorite. Excuse-moi, Ethno, mais ta météorite, elle est en train d'éclore. Wow, c'est quoi ce truc? Non, on dirait un joli petit poussin venu de l'espace. Guili, guili, guili. Couti, couti, couti. Alors, on s'est perdu. D'où est-ce que tu viens, adorable créature? Ne t'en fais pas, nous sommes tes amis. Personne ne te fera du mal. Hé, hey, les gars, ça commence à peser là-dessous. Eh oh! Eh oh! Alors, dis-moi, charmant petit bonhomme, tu dois être affamé. Oh, si, c'est pas trognon, hein? J'ai du mal à trouver trognon ce truc bizarre tombé du ciel qui m'a écrabouillé. Et toi, tu serais pas aussi un truc bizarre tombé du ciel? Non, vous avez vu ça? Il vient de se transformer en toaster. Il s'est transformé
en moi. Oh, il n'a pas le droit. Arrête d'aboyer, Candy, ce n'est pas le moment de lui faire peur. Oh, j'aime bien ce Candy. C'est le même, mais en version muette. Regarde les belles. Plus de papier. Vous pouvez m'envoyer le truc bizarre, s'il vous plaît. Grandius. C'est passionnant. Cette créature possède non seulement des capacités de transformation, mais aussi des capacités télépathiques. C'est quoi la télépathique? Sûrement le début de nouveaux problèmes. Non, cette chose peut lire dans nos esprits. Elle voit ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Et après, elle peut se transformer en l'objet auquel nous pensons. Ah, mais il est hors de question que quiconque lise dans mes pensées. Et puis qu'après, tout le monde les voit. Il faut vite se débarrasser de ce machin-là. Mais tu ne te rends pas compte, Candy, ce petit bonhomme. C'est une merveille d'évolution qui vient probablement d'une société très avancée. Par conséquent, ses congénères sont probablement déjà partis à la recherche de leurs camarades. Résultat, ce rouleau de papier toilette, c'est notre ticket pour rentrer à la maison. Hein? On va rentrer en passant par les toilettes? Votre attention, s'il vous plaît. Les personnes ayant égaré une petite créature verte, fluorescente et gélatineuse sont priées de venir la réclamer sur la planète Terre. Ouch! Candy, c'est quoi cet entonnoir sur ta tête? Et tu peux me dire ce que ça fait planter dans mes fesses? Cette crotte de nez intergalactique n'aura pas mon cerveau. Non. C'est pas du jeu, Gorgeous. Ça fait 20 fois que c'est ton cerveau qui l'a. Attends, juste une dernière fois. Ok, parez à penser. Go! À moi, bonsaï. Et vis à vis, couille. Je répète. Les parents de la petite chose verte venue de l'espace sont priés de venir très vite la rechercher sur Terre. Bon, je crois que j'abandonne là pour ce soir. Toutes ces biscottes. Ah! Une invasion! Ah! Ah! Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des trucs venus de l'espace, surtout de ceux qui font des miettes sur le paquet. Thank you.
Il semble que la musique exerce un pouvoir hypnotisant sur ces machins télépathes. Ça suffit là, je crois. Non, stop ! J'ai dit stop ! Tu sais, Candy, à ta place, j'arrêterai de regarder ces vieux dessins animés. Ils ont regardé toutes mes cassettes de Derek Sorrembobini. Je crois qu'on est tous d'accord sur un point, il faut s'en débarrasser. Mais comment ? Il y a une chose de sûre, les transformer en aspirateurs, on oublie. On essaie en plumeau, hein ? Mais moi, j'aimais bien la musique. Musique, c'est ça ! Planète. On y va! Salut les pâtes à modeler et longue vie dans la forêt! On serait pas déjà passé par là? Oh oh, je crains qu'on se soit égaré! Quoi? Tu veux dire qu'on est perdu? C'est ça au milieu! Des bêtes sauvages! On reverra jamais notre maison! Je ferai plus jamais la cuisine! Je reverrai jamais plus mon aspirateur! Ils nous ont retrouvés! Oh, regardez, à votre avis, c'est quoi la signification de cette flèche? Par expérience, je dirais qu'ils souhaitent que nous les suivions. Allez, en route vers le frigo! Stop! Étant donné qu'ils peuvent se transformer à volonté en n'importe quel objet, nous pourrions voyager à l'intérieur d'eux, dedans! Vous n'avez rien compris, je vais vous faire visualiser mon idée. Il suffit de penser à une fusée et madame est servie. Il ne nous reste plus qu'à penser très très fort à notre chère planète. Gorgeous! Ce sont les parents du truc. Ils nous remercient d'avoir pris soin de leur petit, mais il se fait tard et ils doivent rentrer maintenant. Je sais. Leur chant résonne dans ma tête aussi. Dommage. Mon idée était excellente, du moins en théorie. Quelques milliers de kilomètres nous mettront en appétit. Les trucs bizarres de l'espace, ça serait pas plutôt nous, maintenant? On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien, pourquoi?
t'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est tout cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un beau bébé, c'est un beau bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec tes couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort dans lui. Non, j'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Ou elle m'a. Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences. Et non, tu as promis. Alors juste une. Une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le qui? Ça a marché. Ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là, vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop, je vous en prie, stop. Hey, Bud, on a branché la nouvelle télé. Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale. Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr. Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur Derrick. Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma, haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien.
Il m'aime bien. Il a un gros besoin de tendresse. Oh, bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, aïe, botte. Non, mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Ripon, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Oh, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. Ech, on n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à ce moment? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi, je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête. Il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr. Ça va être à notre tour d'y passer. Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau, ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Bad! Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre. Et ça, c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer, là c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Ethno, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Yeah, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il n'y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce qui c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi c'est tout dur, hein? Ethno, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe la combinaison. Et normalement maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ahou. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures. Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin, ce qui m'a fait tomber. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? Mais, je me ferais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Il y a pas de gros ici, y a que moi, je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui ai ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici, rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, bah, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno.
On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur deux. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Il est où le frigo? Oh non, mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Dette, dis-moi les couper! Oh tiens, c'est ma télé! Elle est toute cassée! L'important, c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible à la télé, là, que tout cassé. Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt deux mois... On peut changer de chaîne, si vous en préférez, Yo. ...des millions de kangourous dans les plaves à la recherche d'une poisson fraîche. L'antenne est déployée, vous avez devant vous un toaster quelque peu amélioré qui, grâce à son système de communication, peut envoyer les signaux de détresse jusqu'au fin fond du cosmos et même au-delà. C'est super, bon, on peut déjeuner maintenant. Impressionnant, Ethno, t'as inventé un truc qu'on appelle la radio. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose provoquait des interférences. Bougez pas, je m'occupe du brouilleur d'écoute. Eureka, nous nous sommes connectés au réseau interstellaire de communication spatiale. Ok, j'envoie le message. C'est parti! Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Sommes quatre aliens et demandons d'urgence des secours. Échoués sur planète Terre, voulant rentrer sur Sigma B. Bon vent, bouteille à la mer. Au revoir! Non mais pourquoi ils arrivent pas? Faut quand même pas une heure pour parcourir 38 000 malheureuses années-lumière! Il y a peut-être encore une grève sauvage. Non! C'est pas bien de dire du mal, Ethno, parce que le vaisseau d'Espace Assistance, il est garé dans le jardin. Grégor, viens m'aider! Et voilà! Ça m'a plutôt l'air de nouveau locataire. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Il est hors de question qu'il soit encore là lorsqu'Espace Assistance va débouler. Oh, saperlipopette. C'est un fameux équipement que vous avez là où je ne m'y connais pas. Vous devez arriver à capter à peu près toutes les radios du monde avec ça, hein? Bonjour, moi c'est Clydie. Je suis le délégué de l'association des voisins sympathiques et amicaux. Voilà. Bonjour, je suis Grégor et voilà mon femme Tatiana. Mais que vois-je là, qu'avons-nous? Là, vous aimez la mécanique? Oh, quel beau laboratoire! Figurez-vous que j'ai moi-même une passion pour les aspirateurs. C'est incroyable, hein? Oh, mais vous en avez un que j'ai jamais vu nulle part. Ouh, mais il marche comment? Vous pas touche ça! Oh, je suis moi-même expert en aspirateur. Et j'en possède plus de 12 modèles, chacun d'une couleur différente, du fuchsia super. C'est un fusil à plasma. Nous sommes des chasseurs d'extraterrestres. Elle est bien bonne. Vous et moi savons bien que les extraterrestres n'existent pas. Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS. Ce message a été émis depuis un point très proche de cette date chaude. Nous bientôt capturer notre premier alien. Vous imaginez alien? Ils sont au proche. Je peux les renifler.
On va les avoir. On a toutes les armes qu'il faut. Surgélateur à concentré de protons. Déchiqueteur fouetteur émulsionneur de molécules. Il est petit appareil qui fait ping-pong. Réverbérateur à gabitnik à mélange de phrases. C'est ce que j'appellerais volontiers une catastrophe. Et ça, c'est le joyau de notre arsenal. Grâce à un détecteur de particules extraterrestres, nous allons nettoyer la région de cette vermine intergalactique. Petite merveille capable de localiser l'origine d'un pédalien dans un rayon de 20 km. Allez-y, essayez. Non, merci. C'est sans façon. Pourquoi vous ne voulez pas appuyer? Vous avez peur de quelque chose? Diana, les laisse pas s'échapper! Et vous savez, il a sûrement une plus grande valeur s'il n'est pas en trop mauvais état. Il faut le faire parler, Grégor. Moi, chercher notre bon vieux Christolopoulos. Merci pour visite, à bientôt. Ok, alors analysons calmement la situation. Numéro 1, deux chasseurs d'aliens suréquipés sont installés dans la maison. Numéro 2, ils ont capturé Ethno et sont en train de le torturer. Numéro 3, il faudrait faire quelque chose, vos idées sont les bienvenues. Toi parler, dis-nous sans cacher les autres. Comment veux-tu qu'on arrive à se concentrer un tant soit peu avec tout ce boucan juste en dessous? Que j'ai une idée, moi, qu'il nous faut faire un plan. Et donc, récapitulons. Numéro 1, deux chasseurs d'aliens suréquipés sont installés. Parle, l'alien répugnant, où sont tes camarades? Bizarre, cette créature est composée de 1% d'hélium et de 99% d'une matière totalement inconnue sur Terre. Toi, toujours pas parler, hein? Bien, il ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est parti pour la boule disco! Oh non, pitié, n'oublie pas ça! Stop, arrêtez-nous en plus, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Ethno Paulino. Je suis balance, j'aime me promener seul sur la plage et j'apprécie le poisson pour ses qualités nutritives. J'ai une marque de naissance dans un endroit connu de moi seul et j'aime bien regarder de vieux films. Ça va être mieux. Parle maintenant, acolyte, à toi. Mes congénères, bien entendu. Et bien d'abord, il y a Bud qui n'est pas à proprement parler une lumière, mais c'est un gentil garçon. S'il prenait une douche de temps en temps, ça ne gâcherait rien. Bon, il y a trois propositions, donc nous allons procéder à un vote. Alors, idée numéro 1. Commander une pizza pour 4 et en l'absence d'Ethno, donner sa part à Gorgeous. Adopté. Idée numéro 2. Offrir une rançon afin qu'Ethno nous revienne sain et sauf. Ça, c'est mon choix personnel. Ça fait une voix. Bon, d'accord, ok. Alors, idée numéro 3. On va échanger Candy contre Ethno, parce qu'Ethno, il est vachement plus cool. Ça, c'est à moi, je vote. On peut pas échanger Candy. Et qui est-ce qui va faire la cuisine et le ménage à sa place? C'est Ethno, sans doute. Bah non, ça c'est pas lui, hein. Et pourquoi on le kidnapperait pas? Super, tu peux m'appeler kidnappé, s'il te plaît. Non, les locataires ne sont pas dans la pièce. Ils ont laissé Ethno sans surveillance. Allez-y, c'est à vous. Bien reçu, on va y aller. Bravo Charlie, à Candy Alpha Tango. On est sur place. On est en face d'Ethno et on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Attendez, quand je sortais en boîte, j'ai appris à lire sur les lèvres. Alors. Vous avez entendu? C'est un traquenard. Hoi, 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 Rimsky Korsakov! Ok, bon alors, ok, où on en était? Numéro 1, deux chasseurs d'aliens suréquipés installés dans la maison. Qui
Quelle belle prise! C'est rigolo, Zoom. D'abord tout près, puis tout loin. Pourvu que Candy trouve une bonne idée. Bonjour, je suis de la police zoologique chargée du contrôle des animaux exotiques. J'ai ici une dénonciation qui affirme que vous hébergez des animaux non déclarés. Alors, je vais jeter un coup d'œil si vous permettez. Mais voilà qui est intéressant. Vous semblez ignorer qu'il est absolument illégal de conserver chez soi sous un globe de verre des espèces rares et protégées comme celles que j'ai présentement sous les yeux. Violation caractérisée de l'article 7B alinéa 8 qui m'autorise à dresser un procès-verbal. Vous avez 15 jours à dater d'aujourd'hui pour payer cette amende. Et je me vois bien sûr dans l'obligation de confisquer la marchandise. Pour les zoologiques des animaux exotiques, très intéressant. Vous montrez carte. Dégage, je crois que c'est cuit. Attends, sur le vent, ça tourne. Hey man, tu viens bouffer, man. Vous pas vu passer faux contrôleurs zoologiques accompagnés trio d'aliens? Oui, c'était plutôt cool, man. Ils se sont posés là-dessus, man. Et ils se sont comme évaporés en fumée, man. Ça doit être appareil à téléportation. Je crois qu'ils peuvent encore terrifier plus d'un alien tellement ils sont moches comme les pourres. Bon geste, humain. Espace assistance, désolé pour le retour. Depuis la privatisation, on est en sous-effectif. Hey, finalement, vous êtes que deux. Pas de problème, on a l'habitude, ils sont à moitié gâteux au standard. Allez, démarre, Georges. Maintenant, au moins, on peut avoir toutes les chaînes du câble. Candy! Relax, je fais juste griller un toast. Non, mais attends, Gorgio, non, attends, il y en a pour 30 secondes. Mais regarde, il est à moitié grillé. Tu ne trouves pas que le style de Gorgio a changé? Ben, c'est depuis qu'on a la chaîne de la boxe. Et voilà, un tout nouveau vaisseau spatial prêt à nous emporter très loin de cette planète. Dans le genre ringard moche, ça le fait bien. Considérant que tu te trouves beau, je prends ça pour un compliment. Et moi, comme j'ai dans l'idée que cette chose va probablement exploser dans les minutes qui viennent, je préfère te prévenir que c'est toi qui passeras l'aspirateur après. C'est vous qui avez commandé 3 tonnes de pizza? Vous avez pas vu qu'il y avait écrit fragile sur les cartons? Bande de hooligans, bon à rien, déménageurs de coffre-fort! Eh ben, je crois que notre belle tranquillité, on peut s'asseoir dessus. Oh! Et voici l'éternel combat de Capitaine Futura 2000 contre l'innommable Skeletox. Rends-toi innommable Skeletox, sinon tu vas goûter au crochet gros de Capitaine Futura 2000. Oh, je t'attends, Agitu Galactique, mais je te préviens, tu vas tomber sur un ananas. Oh, c'est trop top. Allez les petits, on rentre au bercail. Et là, je sors les joyaux de ma collection. Le poulet fermier cosmique en résine de synthèse exemplaire unique. Vu que ta collection est la plus impressionnante de ça, tout l'univers. Ouais, oh merci père. Et vous savez, j'en ai plein des autres. Tiens père, gardez donc à ce vaisseau avec son petit côté ringard rétro. Je suis sûr qu'on a pour une fortune. Hey, vous avez vu, c'est notre soucoupe. Vous vous souvenez les amis? C'est avec ça qu'on s'est craché sur Terre. T'es sûr que c'est pas un jouet de la collection du cinglé? J'admets que je n'en suis pas certain à 100%.
Je sais ce qu'on va faire. C'est qui, vous voulez quoi? Bonjour, nous sommes la joyeuse fanfare des orphelins de l'Ukulélé. Une petite chanson pour ensoleiller votre après-midi? Merci, pas vraiment. Ici Renard Furtif à Manga Wayan. Est-ce que vous me recevez? Ce vaisseau est bien celui qu'on pense qu'il est. Je répète, ce vaisseau est le nôtre. Déclenchement de la phase 2. Vous occupez, Jean-Marc? Et que diriez-vous d'un pot pourri dans vos musiques de films préférées? Gracieusement offert, bien sûr. Ma manière d'un connaisseur, vous allez adorer ça. Ouais, franchement, c'est nul. Et je perds mon temps. Ah ouais, y a un renard furtif, tu dégages. Je répète, pousse tes grosses fesses de la vite. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais où est-ce que j'en étais, moi? Tiens, ça me rappelait pas que j'avais une figurine aussi vilaine dans ma collecte. Ça doit venir d'un dessin animé de série B. Mais y a pas de marque de fabrique, c'est bizarre. Oh, y a peut-être un mécanisme, mais où c'est qu'il est le bouton? Peut-être là. Ou alors là. À moins que... Ah bah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Bon bah enfin, même s'il est pas mécanisé, dans le genre troll un peu ringard, je le trouve plutôt cool. Je vais faire des recherches sur internet. Si ça se trouve, c'est une pièce rare. Salut, je suis Robur le robot. Super, enfermé avec des jouets. Je ne suis pas un jouet, je suis un vrai robot. Ah ouais? Et moi je suis un vrai alien et je dois récupérer mon vrai vaisseau pour pouvoir quitter cette fichue planète qui commence à me taper sur le système. Alors tu vas me lâcher les baskets, la boîte de conserve, ok? Je vous préviens, si vous faites preuve d'agressivité à mon égard, je vais utiliser mon antenne à rayon paralysant contre vous. Vous avez fait preuve d'agressivité. Je vais utiliser mon générateur de vrombissement. Cette figurine, elle est référencée nulle part. Oh, c'est certainement un exemplaire unique. Ah, elle doit avoir une valeur inestimable. La stratégie tahitienne a obtenu un succès mitigé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un excellent plan de rechange. Et nous, on va s'acheter des shorts en cuir, puis on monte une fanfare bavaroise. Ça ne marchera pas, Bud. Ce collectionneur n'est manifestement pas assez raffiné pour apprécier la bonne musique. Mais en revanche, il y a une chose que tous les collectionneurs apprécient. C'est de faire des échanges. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Oh tiens, je crois voir un engin là-bas qui de toute façon ne va jamais fonctionner et qui ainsi n'aura pas été construit en vain. Est-ce que t'as à m'échanger vaut plus que ce vaisseau? Eh ben j'aimerais bien voir ça. Oh, wow, oh c'est pas mal petit, dans le genre elle est encore plus ringarde rétro que la mienne. Bon ok, je te la laisse contre ma soucoupe et une autre pièce en plus. Match conclu. Alors voyons voir. Je crois que je vais choisir le... En fait, j'aime bien le... Enfin, vraiment beaucoup, hein. Les chaussettes avec des martiens rigolos dessinés dessus. Top là, le tout est incroyable. Oh, mais... Je suis Robur le robot. Bienvenue, ami de mon ami. Bah, tu t'en es tiré comme un chef. Et maintenant, plus une seconde à perdre. Un bref compte à rebours et adieu, monde hostile. Hey, mais attendez, tu n'aurais pas oublié Gorgeous, Bud? Ah oui, tiens. Il y a pensé, flûte. Alerte rouge, des abus sont signalés dans le secteur 8. Alerte rouge. Tire! Tire!
Je vais tenter le coup de mettre une annonce sur le site jouetcarrément-introuvable.com. Photo. Alors, je lui ai dit, gros tas de ferraille, t'as peut-être les boulons, mais tes circuits, c'est plutôt des courts-circuits. Vous auriez dû le voir clignoter. Vite, faites-moi sortir de là, j'en peux plus. Et chut. Il en a même grillé un transistor, ce vieux gadget prétentieux. Ça y est, tout a marché comme sur des roulettes. Plan pêche miraculeuse, départ. C'était vraiment trop génial. Allez, on y retourne. Bon, je pense que nous pouvons passer au plan suivant, le cheval de Troie. De Troie quoi? Tu comprendras dans le feu de l'action. Merci, on a besoin de rien. Cher monsieur, veuillez accepter ce cadeau offert au collectionneur du mois par la revue Le Collectionneur du mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Mais c'est superbe! Trois aliens J2 à l'air crétin. Je suis Robur le robot. Veux-tu être mon ami? Non! Moins t'as d'amis, moins t'as d'ennuis, ok? Oh oh, le collectionneur. Oh, vous allez faire une sacrée équipe avec l'autre gros moche. Et ça m'étonnerait que je trouve pas un collectionneur japonais qui serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir le lot. Ah, quel vénard je suis! Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu peux m'expliquer? Du calme, Gorgeous. Ça fait partie de mon nouveau plan dit du cheval de Troie. D'accord. Et comment on va faire pour sortir maintenant qu'on est tous enfermés? Effectivement, c'est une bonne question. Voyons voir. Peut-être le plan n'est-il pas totalement abouti. Non, mais j'y crois pas. Je suis Robur le robot, ravi de faire votre connaissance. La ferme! Gorgeous, est-ce que tu pourrais nous présenter à ton petit camarade? Il va le faire, c'est sa spécialité. Je suis Robur, je suis un vrai robot et je sais comment sortir d'ici. Tu pouvais pas nous le dire plus tôt? Faisons un marché. Je vous ouvre la porte et en échange, vous m'emmenez avec vous dans l'espace. Ok, tape mon 4. Et maintenant, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ouvrir la porte? Eh bien, avec la clé, qu'est-ce que tu crois? Non. Yeah! Victoire! À nous la liberté! En route! Un instant, mon petit bonhomme, tu es sur le siège du conducteur. Et je ne pense pas qu'un jouet... Nous, les robots appartenant au cosmos. Mais vous, les jouets, votre place est sur Terre. Sayonara! Heureusement, il nous reste encore un vaisseau, n'est-ce pas? T'as raison, au point où on en est, on risque plus rien. Trop tard! Oh, c'est incroyable, ce jouet, il a l'air plus vrai que nature. Tout, il a l'air authentique jusque dans les moindres détails. Et le tableau de bord, tous les boutons, ils sont parfaitement imités. Bon, eh bien, je crois que nous avons épuisé tous nos vaisseaux. Mais non, regardez, parmi tout cela, il y en a bien un qui va marcher. C'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé. Et alors le chauffeur lui dit: argue, mais j'ai jamais vu un bébé aussi moche. Alors elle va à l'arrière du bus, elle s'assoit complètement fioratz.
Et elle dit au type à côté d'elle, ce chauffeur m'a insulté. Alors le type répond, vous ne devez pas vous laisser faire, allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Hé, gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche, sinon jamais le poisson viendra manquer à l'hameçon. Parce que le type a pris le bébé pour un singe. Ça mord, je crois que j'en tiens. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour le remonter? Oh, regardez deux adorables petits têtards. T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre amuse-gueule. Gorgeous, tu es un immonde glouton avide. Et toi, tu es mon nouveau petit camarade de jeu. Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te veulent du mal. Oh oui, et un jour, petit état deviendra une belle grenouille toute verte. J'adore les cuisses de grenouille servies avec une purée de sauterelles aux pépites de chocolat. Empiffre-toi de pâte d'éléphant si tu veux. Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées. Allez, bougre d'engin mal comprenant, allez, démarre à la fin! Tu vois, elle démarre pas, j'ai gagné le pari. Et par ici la monnaie. Tiens, mais alors, c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne. Là, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers. Et nous, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein? Tu veux que je te lise, Candy? C'est franchement pas allez, le moment. Viens dire bonjour à bébé grenouillette. Attends voir, c'est absolument incroyable. Mon tétard est pas malade. Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard. C'est en fait la plus grosse amibe qui ait jamais existé. Mais c'est génial. Et une amibe, c'est quoi au fait? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille, mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée de sauterelle? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir. Je le sens moyen, ce coup-là. Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement des fusées? Monsieur, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine. La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'œuvre. Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon. Oh, je suis tellement heureux que tu sois de retour. Waouh, mais tu sens la fiente de mammouth, c'est une horreur. Mes amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité. Bienvenue dans le futur, Arg. Non, pas la main, Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit étard à son papa. Oh, c'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite. Et dire qu'un jour j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat, j'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier on n'avait pas un gros sauvage pur pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Arg. Tu es en avance pour ta leçon d'arithmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite. C'est un vaisseau spatial, Arg. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Toi comprendre ce que moi dire? Qu'est-ce qu'il lui prend au petit? Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ses documentaires sur les bêtes sauvages, le problème c'est qu'il donne jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer.
Docteur! Vous venez? Il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur le mur. Oh, et il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi prit naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Arg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi, je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Argelot. Gente demoiselle, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur des lys du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme. Belle dame aux yeux de braise, m'accorderez-vous votre main en mariage d'amour? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point n'est digne de ma gente dame. Flegmont le Preux va bâtir séant l'écrin majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question, épouser son propre fils, c'est légal? Flegmont n'a qu'une parole. Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Argelot. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde volontiers. Mais en revanche, qu'en dit votre parent adoptif, ce qui est beaucoup plus gênant. Ta-da! C'est vrai, je t'ai recueillie quand tu n'étais qu'une amibe. Prêtresse, tu n'es qu'une hideuse sorcière. Tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque. Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Argelot. Il serait temps qu'il évolue. Je m'appelle Jean-Claude Van Derck, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Derck. Il y a un truc intéressant, la télé, non? Et voilà, Arg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué. L'homme du 21e siècle. Il y a rien à grignoter, je sais pas, moi, genre des chips. Tu les préfères oignons ou vinaigre? Elle est cool, hein, la télécommande. Ah ouais, fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y en a que 6. Et la violette, là? T'as pas l'air très au courant de l'évolution, alors je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 cm3, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier à bord est privé de dessert. Où est la porte? Pourquoi tu veux une porte, mon pote? Pas besoin de cosmonaute, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 28 chaînes portugaises. Si c'était devenu une grenouille, au moins on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyberarg 3000 vous salue, créature primitive mais néanmoins digne de respect. Et c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte? On se fait une petite partie d'échecs? Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échec et mat. Mais attendez, comment vous avez fait? On peut pas faire échec et mat en un seul coup, hein? Vous devez en connaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux. Yeah!
jeune primate partir, il me faut conquérir l'univers, je dois faire. Ouais, moi j'ai préféré les autres. Hein. Alors, champion d'échecs, t'as une idée? On tente le coup avec un crapaud cette fois? Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial ethno? Toi aussi, t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué? Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi, je sens qu'il est pas pareil. Ouais, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, ben c'est pas tout. Il y a l'inspecteur Derrick à la télé. C'est que ça creuse tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes oranges pour Halloween. Tiens, si j'essayais de télécharger des plans de fusée sur le net.